Monsieur le préfet du Golfe, Monsieur le maire de la commune du Golfe 2, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les agents ou maires de la commune du Golfe 2, Monsieur le directeur de l'ANASA, Monsieur le directeur de l'ONG Direct Air, Vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les responsables de ces députés de la commune du Golfe 2, suggérés par Monsieur le préfet, si je me trompe, Monsieur le maire, reprenez-moi. Donc, je suis très heureux d'avoir été invité à cette cérémonie de lancement. Et ma présence ici aujourd'hui s'apparente un peu à un engagement, étant aussi habitant. Étant aussi habitant de Réjanaoué, je me dois aussi d'être solidaire et de faire ma part. Alors, s'agissant de la propreté, je suis rassuré de constater que parmi les invités ici, j'ai à ma gauche le général Bérénard, qui est le directeur de la DASAR. Donc la DASAR, par définition, s'occupe du cadre de vie. Et je crois qu'il vous accompagnera. Il fait déjà du très bon boulot et son expertise vous sera très très utile. Donc je terminerai mon intervention en disant que je ferai ma part. Merci beaucoup. Je voudrais, à mon tour, féliciter toute l'équipe, à commencer par M. le préfet, M. le maire et toute son équipe, parce qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on avance, c'est-à-dire, excusez-moi, il y a des habitudes, des mauvaises habitudes des habitants à déverser des eaux sales, etc., etc. Et là, c'est vraiment un projet bienvenu. Et là, les différentes rubriques que nous avons intéressées, je voudrais poser la question suivante. Est-ce qu'en deux mois, vous pourriez obtenir, c'est-à-dire faire la collecte de fonds et en même temps réaliser, est-ce qu'il ne faudrait pas prolonger le délai au moins à 6 mois? Ça, c'est une première question. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour les eaux utilisées, déversées dans les voies et tout ça, est-ce qu'il y avait à l'époque un projet de, comment on appelle ça, d'associer les propriétaires et de leur demander de faire un apport et qu'on trouve le reste ailleurs à réfléchir. Pour au moins réaliser des latrines dans les maisons. Vous voyez, c'est à la suite de tout cela, maintenant instaurer des amendes pour ceux qui vont vraiment ne vont pas respecter cela. Parce que l'hygiène est quand même importante pour la santé. Parce que vous voyez, il y a le volet social. Donc, distribuer des kits, c'est bien. Mais si dans cette maison, par exemple, il n'y a pas d'hygiène, vous voyez, en fait, ces kits vont permettre, bon, c'est symbolique, mais néanmoins, vont permettre d'aider les personnes à être un peu plus solides pour éviter que ce virus ne puisse atteindre les gens qui sont affaiblis, etc. Donc, voilà, ce sont un peu mes préoccupations, mais je voudrais vraiment féliciter aussi. Et moi, si je suis résident de la zone, je suis à Nukafou, le chef Nukafou est là, je le vois mieux me rapprocher tout à l'heure. Et moi également, je ferai ma part des choses. Et en matière technique également, pour les réflexions à mener pour le projet, je suis également vacant. Merci. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis doublement concerné. Je suis concerné en tant que citoyen de la commune. Et je suis concerné en tant qu'ANASAR puisque la loi nous fait obligation de travailler ensemble. Et je voudrais vraiment joindre ma voix à celle de madame pour dire combien c'est vraiment juste de pouvoir faire tout ceci en ce que je vous avais dit. Et je crois que s'il faut un peu vous pousser pour que les gens puissent non seulement se préparer pour contribuer, mais contribuer valablement, contribuer de manière beaucoup plus consistante. Et de deux, elle a parlé de toilettes dans les foyers, dans les ménages. C'est très très important. Nous, au niveau de ANASA,
on est en train d'élaborer un projet dans ce sens. Et puisque nous travaillons avec le ministère, avec le ministère de la Santé, et notamment le service d'hygiène, pour le contrôle de tout ce qui est assainissement, toilettes, etc. Nous avons remarqué qu'il y a bon nombre de foyers qui n'ont pas de toilettes dans leur maison. Non pas parce qu'ils ne veulent pas en avoir, soyons sincères, c'est parce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Alors donc, il était question de voir dans quelle mesure nous allons élaborer un projet ensemble avec les communes dans lesquelles cette situation sévit, pour que nous puissions faire des plaidoyers en commun et pouvoir avoir des bailleurs et essayer d'aider tout ce ménage-là qui ne peut pas avoir des toilettes pour qu'ils puissent avoir des toilettes à moins de coût et pour que, bon, on ait plus de propriété dans ce plan-là. Okay. Donc, c'était ma contribution. Et donc, madame a bien fait de se lever, j'ai voulu appuyer son idée. Merci. Merci, mon général. Patron, votre part. Merci beaucoup. Pour ma part aussi, j'aimerais quand même féliciter la mairie et les élus locaux pour cette initiative très originale. Merci à vous. Et ça démontre que la décentralisation a un bienfait pour les populations, parce que si supposons que ce genre de projet se démultiplie sur les 117 communes, et chaque autorité communale fait ce genre de choses, ça démultiplie l'action de l'État. Et ça démontre que la décentralisation, vraiment, c'est une bonne chose. J'aimerais quand même faire quelques suggestions. J'ai vu attendre au niveau de l'organisation, en tout cas du comité de pilotage. Je proposerais aussi qu'au niveau du comité, c'est le comité de gestion, qui est aussi des citoyens ou bien des personnes ressources, à part les élus et les techniciens communaux. Ça va quand même contribuer à améliorer la gouvernance et puis bon, l'implication des populations. Bien sûr, ils sont dans c'est prévu au niveau de la sous-commissions, mais ce serait bien aussi qu'au niveau déjà communal, qu'il y ait un cadre de concertation impliquant déjà les populations pour la gestion du projet. Aussi, j'aimerais proposer aussi, bon, peut-être que c'est prévu et que ce n'est pas ressorti dans la présentation, que les distributions des kits et tout soit associé à la sensibilisation en même temps. Et vous sensibilisez les gens, vous intégrez ça dans le projet. Et la question de la durée aussi que madame avait posée, je crois que ce genre de projet, 2 mois, c'est vite fini. Hein. Donc peut-être, on peut être rallongé un peu. Et si on arrive à finir vite, tant mieux. Comme ça, vous avez plus de temps de mobiliser peut-être un peu plus. Aussi, au niveau de la distribution des kits, bon, maintenant, c'est le développement durable. Moi, je propose que maintenant, on veut promouvoir l'économie locale. Donc, si possible, si ce que nous allons acheter, il y a du local, on va les privilégier d'abord. Le riz, les huiles, tout ça là, si c'est produit localement, on va privilégier, contacter les entreprises locales pour pouvoir payer ces nutriments-là. Et s'il n'y en a pas, ça ressemble peut-être qu'on va tourner sur les produits importés. Pour finir, j'aimerais poser une question. Comment va être identifié les 5000 ménages à appuyer? Merci. Ah bon, présentation, je m'appelle Zipi Nuadi, je suis consultant au PNUD. Merci. Merci, monsieur le président.